Houston now controlling. Roll maneuver complete. Discovery now in a heads down, wings level position, headed to a 173 nautical mile orbit, inclined 51.6 degrees to either side of the equator. Engines now throttling down to 67% of rated thrust as the orbiter passes through the area of maximum aerodynamic pressure. Three engines now back up at 104%. Go at throttle up. Roger, Houston, go at throttle up. Discovery's three liquid fuel engines now back at full throttle, 104% of rated thrust. Altitude now 8.5 miles, downrange 6 miles. One minute 30 seconds into the flight with more than 2.25 million pounds of propellant having already been used to discover the outer of what it did at liftoff. Standing by for the next major event, which will be the burnout and separation of the two solid rocket boosters that occurring a little more than 2 minutes into flight. Est-ce qu'on peut qualifier ça de départ parfait? C'est extraordinaire en ce moment. Tout va bien. Il y a toujours le seuil critique du 73 secondes, hein, souvenez-vous. Lorsque Challenger, la tragédie qui était survenue, la 73 oui. secondes du décollage, je pense que c'est un seuil psychologique là, à traverser. Mais là, c'est fait, il n'y a pas de problème. Alors, Armand, comment vous voyez ça de votre côté? C'est beau. Écoutez, je ne sais pas comment vous vivez cela à Montréal, mais nous, je peux vous dire qu'on a les larmes aux yeux. Je suis en compagnie d'un ancien astronaute. Et vous aussi, vous vivez ça aussi intensément. Toujours. J'ai vu une vingtaine de lancements. J'ai volé 3 fois, mais chaque fois, c'est incroyablement émotionnel. Et ce sont mes copains, là. Oui. Et ce sont les nôtres aussi. Nous les avons tous rencontrés, ces 7 astronautes. Je peux vous dire qu'on a senti vraiment, là, quelque chose d'extraordinaire. La vibration, d'abord, et de savoir, on a beau imaginer que ça lève très rapidement, mais ça lève, effectivement.